Et coucou YouTube et bienvenue pour ce nouvel épisode, nouveau live, nouvelle rediff du Not So Berry. Comme d'habitude, je vous invite à venir nous rejoindre, peut-être quand vous aurez rattrapé ou si vous avez le temps un jour de faire un petit coucou comme ça, le mercredi. Alors là, il est 21h12, donc c'est à peu près, ouais, à peu près. Voilà. Mais là, on a relooké les moches, comme dirait Martial. Non, on a relooké les gamins parce qu'on avait Opaline qui est devenue enfant. Et les deux autres mochetés, là, ils sont devenus bambins, donc il fallait les relooker. Et on a aussi, j'ai rapidement fait deux chambrées à l'étage en verre. Hola YouTube, ici Martial, voilà si est tout pour moi. Qu'est-ce qui se lave, lave cœur, cœur, banane et saucisse. Ouais, alors, je mangerai pas la banane et la saucisse en même temps. Oh non. Et donc on a mis deux chambres à l'étage relookées en verre, une plus complète que l'autre parce que ce sera pour Opaline vu qu'elle est déjà enfant et l'autre ce sera au cas où Pomme grandirait également dans cet épisode, du moins aujourd'hui. Et donc on va reprendre là où on en était tout simplement, là là là, j'ai pas encore fait les portraits de Toya. Je vais pas tarder, hein, vous inquiétez pas. Alors qu'est-ce qu'elle voulait la Jacqueline? Elle a faim, tiens, t'as un gâteau à bouffer. Alors, toujours aussi beau, hein, toujours aussi sexy, toujours aussi mal dominant. Et nos gamins ont été relookés. Donc, Opaline n'a pas changé de coupe de cheveux, parce qu'en vrai, je trouve que c'était mignon sur elle, puis ça change un petit peu, quoi. Je la mets pas souvent, celle-là. Donc, elle a été relookée. Nous avons Pomme. Alors, Pomme, elle fait peur. Elle a fait peur à tout le chat. Ah, puis alors là, avec les... Oh, avec cette tête-là, ça va être encore plus beau, tiens. Oh, putain. Elle va hanter... Elle va hanter... Elle va hanter... tous les esprits. C'est Pomme. Encore là, ça va, je dirais. Mais... Elle va venir vous bouffer le soir. Elle va vous croquer les pieds. Puis une fois qu'elle vous aura mangé la moitié des pieds, vous pourrez plus vous enfuir. Voilà. Bonne nuit les dieux, des bisous, repose-toi bien. Et voilà. Elle fait peur cette gosse. Elle fait peur. Alors, et en plus, bon ça va, elle est dans le thème. Elle fait de la fumée verte. Et nous avons le petit, le Hulk. C'est pas Hulk, hein, c'est le Hulk. C'est un prénom à double composante. Bon, il fait pas peur, mais il a peut-être une tronche bizarre. Il a des très grandes pommettes bien saillantes. Hein, c'est... Et il a un menton un peu saillant aussi. Donc, bon, on verra bien ce que ça donne. Quand ça grandira, tout ça. Peut-être qu'au final, on va se retrouver qu'avec Opaline. Ah ! Attends, Jacqueline ! Dormir ! Mais non ! Tu vas jouer à l'intérieur. Nous, on veut voir. Alors, j'ai installé ça. Parce que on n'a pas encore vu comment ça, c'était quoi, hein, forcément. Donc je veux juste voir comment ça se... Hein, quoi. Pomme alias Chucky. Exactement, je vais te tuer dans ton sommeil. Donc on a installé la petite tente dans une des chambres pour pouvoir tester aussi, parce qu'on n'a pas encore... On n'a pas encore testé, hein. Oui, mais en gros, pour l'instant, elle fait pas grand-chose, hein. Si vous entendez des coups dans mon plafond, c'est normal. C'est pas chez vous, c'est chez moi. Et petit gamin, tu peux descendre ou pas? Oui, il a l'air qu'il peut, non? Oui, niveau 2, c'est bon. Tu fais ta livre, tu dégages maintenant. Toi! Au lieu de regarder la télé, là, t'as du ménage à faire à l'étage. Je suis horrible. Oh bah maintenant, c'est bon, elle a pondu les gosses. On n'a plus besoin d'elle, hein. Elle fera le ménage, hein. Comme la duchesse avant, hein. Suffit, hein. Il faut faire jouer à faire semblant. Tu viens d'acheter un nouveau pack? Oh, et alors, pack, c'était pas en avril? Il me semble que c'était en avril, pas que t'es un petit peu en retard. On est en juin. Oh l'autre,
Tout avec son aspire à eau là, non mais. Et salut Banner, comment tu vas? T'as passé la tête dans le mur, cocotte? Ah, c'est comme sur les bateaux. Oh, ils ont recyclé l'animation. Bon, en tout cas, les gamins peuvent dormir dedans. Voilà, c'était un gameplay, somme toute, des plus réjouissants. Meuf, il est 20h40. Tu vas sûrement pas dormir. Tu vas aller pisser, manger, faire tes devoirs. Voilà, tout un programme. Bienvenue dans l'esclavage, Made in Shirley. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ça y est, il est énervé, ce qu'il a eu à bouffer. Ah non, il doit pisser. T'es quoi, toi, déjà? T'es fini à quoi, toi? T'es... Allez, aide pour le pot. Bah, papa. Et papa, il a pas bougé depuis tout à l'heure. Il fout rien. Ah, si, il a fait les poubelles. Va t'occuper de merguez. Nettoyer l'habitat avant qu'il meure. Quand même. Avec les belles petites bubules. Salut Tandori, comment vas-tu? Merci Manouen pour ton follow, bienvenue à toi. Par contre, je sais pas s'ils peuvent rentrer à plusieurs, je n'ai pas testé. T'es un petit gangbang entre enfants. Ça peut être sympa. Allez, apprends à le Hulk à faire à son pont là. Et je t'ai dit bonjour Tandori, je sais déjà plus. Coucou à toi. Je pensais qu'on était jeudi, je me suis endormie comme un koala. Un koala ou un caca? Ça, c'est toujours les mêmes qui sont dans les escaliers. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es outré, Banner? Qu'est-ce que j'ai dit? Pour te choquer, quand même, faut y aller. Hein. Maman, tu... Non, tu... Oui, tu foutras au bain ta fille, un peu. C'est laquelle? Bah, il y en a qu'une. Donner un bain de mousse à pomme. On va laver les pommes. Pom 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 pom. Gang bang d'enfants, bah et alors? Tu crois qu'ils font rien dans notre dos là, les Sims là? Genre t'es outré. Oh là là! C'est ton anniversaire, Tandori, c'est pour ça que t'as un cadeau devant ton pseudo, c'est ça? Eh bien, bon anniversaire à Tandori poulet! Ce pseudo quand même me tue. Happy birthday! Tandori, happy birthday, Tandori, happy birthday, Tandori poulet, happy birthday, Tandori poulet. Voilà. Il joue au docteur. Ah, ça y est, il a chié. Le Hulk a fait caca. Merveilleux. Oh, il y a une double dose en plus de caca. Incroyable. Oh, Manon va mourir. Je veux un sondage maintenant. Est-ce qu'on la laisse mourir de la rage du rongeur? Ça ferait que Toya serait veuf. Oui, c'est toujours les mêmes. Ouh! On la sauve. Merde, attendez. Manon commence à avoir mal à la tête. Et elle sent des picotements dans sa gorge. Elle a peut-être attrapé une maladie grave. Elle s'est fait bouffer par le hamster. Ta-da-da-da-da-da. Morsure miniature, morsure de rongeur. Aïe, ces minuscules dents peuvent faire très très mal. Ha 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 ha.
Eh bien, écoutez, c'est sondage maintenant. Vous faites un petit refresh, un petit F5 si vous n'avez pas le sondage qui pop dans le chat. Et c'est à vous de voter, de décider si on la sauve ou si on la laisse mourir. Et si, en la laissant mourir, on s'occupe de Toya en tant que père célibataire et veuf surtout. Voilà, voilou. Les pauvres petits vont être tristes. Ouais, mais ça va durer 2 jours. Ils vont s'en remettre. Hein. Voilà, regarde-moi ça, ces petits enfants. Pour l'instant, elle est utile. Mais dès qu'on en aura plus besoin. Elle va nous empêtrer, cette femme, quand même. On s'en fout. Je suis désolée, c'est la Sims de Marine, en plus. Hein. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. La dernière fois, la duchesse. Elle a pas eu le temps de mourir de ça. Là, elle a la vie devant elle. Donc elle peut mourir très lentement. Il va pouvoir se trouver une nouvelle et un nouveau pouliche. C'est ça. Comme ça, on pourra draguer quelqu'un d'autre. Qui le mérite. Peut-être pas. Excusez-moi, il y a un bulbe bizarre qui vient d'apparaître. Je me dois de le capturer. Quoi ? Oui, j'ai Pokémon. Et alors ? Elle risque de contaminer tout le monde. Oui, mais alors bien sûr, on va... C'est elle la patiente zéro du Covid. Qu'est-ce que vous voulez que... C'est pas de ma faute, j'y peux rien. Le patient zéro du Covid, il est décédé. Toya, il l'aura attrapé après. Et ben lui, il aura eu le vaccin. Il n'était pas à cause de risque de cause. Oh, meurs, allez. Et ça, c'est jouer un poil de cul. Hein. Mais vous êtes 52% à avoir voté. Quelle crève. Pauvre petit Toya. Bichette. Faut plus qu'il l'approche. Hein. Il va aller dormir ailleurs. Hein. Qu'est-ce que tu... Ben regarde toi, tiens, regarde ça. Et toi... Mais bouffe-toi. Oh. M'énerve ces Sims. Faut pas qu'il fasse crac-crac. À une voix près. Désolée. Ah bah après c'est de sa faute, hein. Pourquoi elle se fait bouffer là? Pourquoi elle va voir le merguez alors que merguez... Non, c'est saucisse ou merguez? Je sais déjà plus comment il s'appelle là-haut. C'est saucisse ou merguez? Mais arrête de dormir, toi. Déjà, ça va être ton lit, c'est ici. Attribue un lit. Ah merde, j'ai oublié de mettre la lampe. Oh putain. Tu vas jouer au docteur et après tu vas aller dormir. C'est merguez ou saucisse? C'est merguez. Saucisse, c'était premier et puis bah Roger n'est plus là. Donc, Il faut faire ses adieux. Ah, bien sûr qu'il y aura de la tristesse, mais pas longtemps, ça ira. Puis Toya, il sera occupé, il devra combattre le crime. Et tous les méchants Sims qui font du mal. Oh, c'est bientôt l'anniversaire de Toto. De Yaya. Toya. Marde. Elle s'est pas pissée toute seule non plus, celle-ci. Ah non, c'était que la première qui était indépendante. Oh, crotte de genou. Ah oui, il y a Jaster là. Et on a un environnement étincelant en bien. C'est pas vrai. On en a fini avec le truc inspiré. Oh, oui. Tellement de bonnes nouvelles. Parce que si vous ne le savez pas, les bonnets de ski sont enfin bien enfoncés sur la tête des Sims dans le CAS. Ça y est. Bon, il y a un petit bug sur certaines coiffures. Mais avant, ils étaient sur le haut du crâne. Maintenant, ils sont plus enfoncés. Donc déjà, c'est une très bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle. Le parquet, c'est le sol propre, ne les rend plus inspirés. Adieu l'étoile, la répétition et l'argent dilapidé pour rien. C'est une très bonne nouvelle.
Il y a les couches. En même temps, Toya, il avait rien à péter à la mort de ses deux parents. Il était juste inspiré par le parquet. Non, ça lui fera peut-être pas grand-chose pour sa femme. Non, j'ai pas mis de j'aime ou j'aime pas. On verra bien si ça pop tout seul. Bah, en fait, on s'est tout à l'heure en relouquant les gamins, que j'ai remarqué ça. J'ai fait, mais attendez. Hein, quand même. Et le parquet, ben, le parquet, c'est cool. Ça les rend plus inspirés, mais ça, c'est un vrai pied. Hein. Ah, ça, c'est cool. Allez, va pisser, va dormir, Toya, parce que t'as du taf demain. Oh, elle a fait un gros caca qui pue. Il est trop pudique, hein, il a pas osé aller aux toilettes. Ah oui, bah il allait, sinon il allait montrer son zizard. Le petit zizard. Enfin, son gros zizard. Eh bien, ma petite. Viens dormir maintenant. Tout le monde au lit. Ah bah, la télé, elle est crassée. Je crois que c'est pas tout de suite hein, qu'elle est... Ah, voilà, c'est bien. Tu vas jouer au docteur, tu vas tirer Dino dans tes bras, tu vas jouer. Mais non, il n'y a pas de monstre, oh là là, putain. Et première nuit, hein, j'y ai droit. Hein. Oh, tu me casses les pieds. Hein. Ouais, mais moi aussi, il y a quelque chose d'étrange qui vit sous mon lit. Hein. C'est grosse migale. Et c'est une grosse bave dans ta tronche aussi. J'en ai marre de ce monstre. Je ne le supporte plus. J'en ai assez bouffé du monstre. Dans le Dickens, dans le Lord and Lady. Charlie Bar. C'est tout ce que j'ai à dire, moi. Ah, c'est couille. Monstre de merde. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est vulgaire. Oh, ça va, hein. Vous avez déjà joué en faisant des contraintes comme ça, pas d'électricité, c'est-à-dire pas de lampe anti-monstre. Hein? Hein? Non? Putain, mais viens pas réveiller ton père. Ou toi, je vais t'écarteler, toi. Ah, je regrette ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Et t'arrêtes de gueuler comme une folle, là. Ah! Casse-toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh. Vas-y, Toya, fais voir. Hein. C'est chiant. Par contre, bon, Sims, il accroît à la propreté, du coup, il devient rouge colère dans les lieux communautaires. C'est dommage. C'est Jean-Guy le chien. Jean-Guy le chien. Bah tiens, voilà, il est 5h du matin, t'as pas dormi. Grognasse. Ben ouais, ben voilà, hein, à ouvrir sa grande tronche. Elle a pas l'air très en forme. Oh la pauvre. Et t'es si mignonne. Marine, elle va rien comprendre. Elle va arriver sur le live, elle va pas comprendre pourquoi on va la laisser mourir. Même je dirais. Toujours les téléportations. Peut-être qu'avec un peu de chance, elle se mordra dans son bain. Ça lui évitera bien des désagréments. Elle est trop belle la chambre avec les rayons de soleil qui passent et tout. Oh, c'est trop mignon. Donc nous avons ici les lits, le papier peint, la commode et la table de chevet qui vient avec pack, le nouveau pack. Décoration d'intérieur. Voilà. Pas l'autre chambre. L'autre chambre, c'est juste ça. Qu'est-ce qu'il a? Réveil difficile. Trait de caractère paresseux. Ne jamais réveiller un signe paresseux. Jamais. Tu vas prendre une douche froide, je pense. Tu vas décapiter ta fille. Oh oui. Je ferai des arrêts sur l'image. Si elle est trop pénible, tu la fous dans la tente au fond du jardin pour dormir. Elle sera plus trop... J'avoue.
Oui, t'as faim. Oui, Biquet, t'as faim. Alors, Biquet va faire va servir le petit déj fruits et yaourt. Alors, c'est Manon. On la laisse y aller. On la laisse s'intoxiquer tous ses collègues si elle veut. Allez, dépêche, Jean-Claude. Qui veut de la pastèque? Faudrait que je fasse ça la prochaine fois que je fais à manger, moi. Qui a faim? Je sais pas trop ce que c'est, les trucs blancs, mais... Bah, toi, travailler dur, hein? Et voilà! Pouf! Il aura mangé une cuillère et demie et on est parti. Le crime n'attend pas! Car le mal ne dort jamais. Toi, tu vas faire connaissance avec tes amis. La pomme, et j'allais dire la pomme et le Hulk. La pomme et le Hulk ont été envoyés à la garderie. Oui, c'est bien. Regardez-moi ça là, les feignants là. Dégage. T'es vieux, tu dégages. Hop, hop. Tiens, tiens. Tiens, 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 tiens. Officier targaryen au rapport. Alors, tu dois prendre des empreintes, analyser une preuve sur la scène de crime. Tu vas analyser une preuve. Échantillon de preuve, vas-y. On va commencer tout doucement, hein. Hey, salut Vervenilou, comment vas-tu? Merci beaucoup pour ton raid et bonjour à vous tous. J'espère que ton live s'est bien passé. Merci beaucoup, c'est adorable. Et coucou Amand, comment vas-tu? Les Raiders, comment allez-vous les Raiders? Salut Verven. Comment vas-tu? Nous sommes sur le Not Soberry, qui est un challenge assez connu. Génération pêche actuellement, avec 3 enfants pour la génération verte. Et bah on bosse. Tant que détective, je sais plus qu'est-ce qu'on est comme rang. On est au rang 7, on est détective. Lieutenant Rainbow. Voilà, c'est pas mal. On est plutôt pas mal, on va essayer de gravir les échelons pour arriver au niveau 10. Avant de mourir... En étant vieux et dégueulasse. Ça va bien, Amand, merci. Ça va très bien, toi, c'était la reprise, ça fait presque 6 mois que j'avais passé. Ah ouais, carrément. Ah bah dis donc, j'espère que ça s'est bien passé, hein, parce que... Ah, 6 mois, ah ouais, la vache. Oh, j'ai jamais fait un truc aussi... Ouais, enfin non, enfin depuis que j'ai commencé à live, je le fais très régulièrement. Enfin, c'est peut-être une semaine ou 10 jours grand max que j'ai fait sans, parce que je suis partie et puis je pouvais pas. Mais en vrai, j'ai jamais fait aussi longtemps, ouais. Ah, t'étais... Ouais, bah nous, on a fait ça lundi et mardi. On a fait ça... Alors, le suspect avait les cheveux noirs. Discuter des théories, aller sur la scène de crime. On va parler avec cette charmante demoiselle. Non, excuse-moi d'aller en bosse, nous. Je sais pas. Peut-être que cette demoiselle va pouvoir nous indiquer certaines choses. Ah oui, bah, en même temps, ça va faire presque 2 ans qu'on est dessus sur le Not Soberry. On arrive à la fin. Là, on est à la génération 8. Il nous en manque 2, c'est-à-dire la génération verte, qui est l'enfant de la génération pêche que nous sommes. Les vertes, ils sont là. Voilà, ça se voit pas trop, mais ils sont en vert. Voilà, voici, on les voit aux habits. Et ensuite, leurs enfants sera la génération bleue et ce sera la fin du Not Soberry. Donc, on est plutôt sur la fin. Parler au chef, on va se faire engueuler. Et elle est sur la scène de crime. Donc on va parler au chef. Voilà, on va parler au chef. Parce que le chef adore nous gueuler dessus. Et ne nous respecte même pas. J'étais un peu abusée. J'avais besoin de faire une pause aussi. Ah ouais, non, mais t'as raison. Hein, on prend le temps. C'est la future maîtresse. Je pense pas, petit cœur. Elle est mariée, celle-là.
Et elle est bien mariée, je vais me dire. Elle est belle, cette petite rousse. C'est bizarre, hein. On n'arrête pas de la voir en ce moment. C'est très étrange. Les rapports indiquent que la criminalité est en baisse dans le quartier ouest ce mois-ci. Il doit s'agir d'une coïncidence. Ce chef nous adore. Non, c'est pas vrai, hein. Alors, on va s'occuper de Lucas le roi. J'ai l'impression que c'est un sims que quelqu'un m'a fait. On va faire un rapport de police. Parce que lui, il a pas de style. Enfin, si c'est une tendance à lui tout seul, il a créé sa tendance. Il a espéré figurer dans ma vidéo, mais non. Alors, dites-moi pourquoi vous êtes venu. Alors, il était grand comme ça, et il est parti par là, et il a joué avec ses mains. J'ai vu quelqu'un jouer avec des allumettes près de la poubelle au parc. Si personne ne lui fait changer ce comportement, ce pyromane va commettre des incendies criminels un jour. C'est quand même... Tu vas un peu vite en besogne, Jacqueline. T'en sais rien, hein. Il faut refaire un autre. Oh, vas-y, on va prendre des empreintes digitales. Et après, on va sur la scène de crime. Ah, alors, on avait pris quoi? On avait pris Tamati, on avait pris Eri. C'est toujours les mêmes, hein. On va prendre Rachid depuis aujourd'hui. Est-ce que les femmes sont... Non, elles vont accoucher, hein, oui. On sait pas où, mais elles ont accouché. Enfin, du moins, il y en avait une des deux qui était enceinte, c'était sûr, mais... Elles sont plus enceintes. Ça fait des semaines qu'ils sont là. Si les PNJ sont normaux, alors c'est les abonnés qui les ont fait, c'est sûr. Ah, oui. Qu'est-ce que tu appelles normaux? Attention à la normalité, c'est dépassé, hein, maintenant. J'ai jamais fait la carrière de policier, le gameplay est sympa. Oui, bah c'est répétitif, mais c'est cool. Quand ça bug pas, parce qu'on a eu quelques bugs déjà. Fouiller les criminels. Alors tu vas fouiller le suspect. Rachid. Bon, j'y peux rien, ça s'appelle Rachid. Hein. C'est pas moi qui ai choisi. Hein. On peut pas séparer Charlie de Marcel. Ah non, ça c'est sûr. Bon, ça ne s'engage en rien. Elle est très bien comme elle est, la petite Shirley, moi je vous le dis. Elle est très bien. Elle a pas besoin. Shirley peut s'amuser un peu de nuit. Oh, non, elle s'amuse très bien avec... avec la trompe d'éléphant de Martial, vous inquiétez pas là-dessus. Ça va, il écoute pas, donc ça devrait aller. Tu vas aller patrouiller? Voilà, on va aller patrouiller. En vrai, je sais même pas si on a encore l'appareil à cloner. Ah ! Ah ! Le retour aux sources. Bon, la maison est vide, mais quand même. Oh ! Mais on était déjà venu la dernière fois ici. Ah, c'est trop rigolo. Pour ceux qui étaient déjà là à l'époque, hein, c'était la maison. Voilà, bon, on voit rien, parce que ben, voilà. On peut plus visiter les maisons. Oh, c'était la maison de Pepper, une fois vieille. La maison de Bordeaux. La maison de Bordeaux, plus, quand même. Et la maison de Pulco, parce qu'elle est jaune. Vous allez me dire, mais Bordeaux, il était rouge, Pulco, il était jaune. Oui, mais Pulco, il était petit. Et après, il a grandi. Et puis après, il a déménagé. Mais c'était quand même... elle a fait quand même quelques générations, cette petite maison, quand même. Bon, on va rechercher des gens qui sont en colère et qui vont se battre pour aligner des PV parce qu'ils sont sortis sans leur masque. Ok, bah, y a personne pour l'instant. Tu vas venir là. Tu vas courir ici, comme ça on va rester au milieu un peu. Puis on va essayer de checker dès qu'il y a des Sims qui apparaissent. Ça doit être la fille de Sakura. Putain. Manon Rainbow. Sauf que c'est la nièce, hein, de... La... Non, bah la nièce. C'est la nièce de Chamallow, mais Chamallow n'est plus là. Donc c'est la cousine. Cousine. C'est la cousine. Vas-y, tu vas lui dire bonjour, en fait. C'est ta cousine. Oh, elle est gaulée chelou, hein. Elle est gaulée chelou. Mon amour. Bah, elle ressemble à sa mère, je trouve. Ah,
futur caca. Ouais! Nous avons un militaire, Patrick Lambert. Oh, Patrick, on n'attend pas Patrick? Salut Kikissine, comment vas-tu? Chez les ancêtres, c'est ça. Une trompe rien que ça. Ah bah, minimum. Ricardo. N'importe quoi. Ça suffit les messages. Hein. Ah, il faut le temps qui arrive. Hein. Il se presse pas en plus. Hein. Donc, bon, c'est pas très intéressant pour l'instant. Hé, hey, salut cousine. Comment tu vas? T'aimes bien quoi manger, cousine, qu'on t'invite à l'occasion, un anniversaire, tout ça? Ouais, je dis pas de conneries quand même. Cousine! Cousine! Au palais, on a rencontré David. Oh, vous voyez, on a un pur look, hein, David. Elle aime pas la peinture. Patrouiller pendant 2 heures et émettre un procès verbal. Donc tu vas t'éloigner un peu. Genre là. Pour que eux ils se castagnent. Sinon c'est pas drôle. Ils vont forcément se castagner. Hein. On peut aller rencontrer Lola. Allô Lola, comme un garçon. C'est ça, non? I'm not sure about that. Non, tu parles pas. Tu les regardes. Allez, castagnez-vous, là. Il attend que ça, Toyin. Faut qu'il fasse son nombre de PV par jour. Hein. Imaginez, c'est la suspecte drame. Non, mais là, c'est juste la patrouille. C'est pas la scène de crime. Et au palais, on a rencontré Alexandrie. Alexandra. Alexandrie, où l'amour danse autour de toi. J'ai plus d'appétit. Comme un coudin. Lange. Chilo pifetau bifang turup. Unkim panipa spoid. Fineim. Misselec. Tembizi kubar. Kubar. Bon. Ah bah ça y est. Je veux dire, c'est long, hein. C'est lui qui va avoir un PV. Un PV. Un prout vertical. Et lui, là. Quoi, t'as cassé la gueule à ma cousine? Cousine. Et tu vas lui foutre un PV aussi, hein? Attends, et oh, cousine ou pas, faut penser au bif. Hein. Attendez, c'est ce que je voulais faire la dernière fois comme screen. Oh là, il y a ses cheveux à l'autre. Oh putain. Yes! Attends. Ah non! Mais casse-toi! Ah! Ah! Regardez-moi ça. Il est pas beau mon screen! Il est pas beau mon petit Sims! Elle est pas belle ma miniature! Tabarnak! Et on rentre. Bagarre! On frappe pas les filles, non. Celle qui l'a cherché, c'est ça. Ouais. C'est pas bien ce que tu dis, petit cœur, attention! En même temps, il est bien mignon, l'agent de police. Ah bah ça, on laisserait volontiers nous mettre les menottes. Hein. Et nous emmener où il veut. Alors, lancer un avis de recherche, prendre des empreintes digitales, les criminels à la station. Voilà, lancer un avis de recherche. Déduire un nouvel indice. On va se rajouter un nouvel indice. Ah! Tu l'as pas beaucoup honoré, Martial, hein, t'abuses.
faut recommencer. Si elle l'a suivi et lui a sauté dessus. J'avoue. Peut-être. Ah, il a pas réussi. Oh, on va lancer un avis de recherche. On verra bien, hein. De toute façon, comme ça, c'est cheaté as fuck, cette carrière. Oh, mon titou. Oh, Jimmy, il dort, mais il est toujours aussi bien. Il fait le mode serpillière, hein. Il est en mode serpillière. Hein? Quoi, hein? J'ai dit, tu l'as pas beaucoup honoré, Charlie. Vous avez qu'un seul enfant. Ah! Je vois, comme qui dirait à l'horizon, quelqu'un qui a les cheveux noirs. Bah! Mais Kiki qui a les cheveux noirs! Mais Kiki qui a les cheveux noirs? Oh! Madame! Madame, vous êtes... Non mais... Mayumi Aoki. On me voit pas du tout. Ouais, je vais le laisser à l'épicer. Quand même. Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Oh, c'est bientôt le jour de l'amour, dit. Oh, incroyable, du chelu. Carnet. Carrière détective. Cheveux noirs. Porte un haut à manches longues. Est un jeune adulte. Porte un jean. Est une femme. Et déteste les enfants. En même temps, qui aime les enfants? À quoi ça sert? Cheveux noirs, femme, jeune adulte, manche longue, pantalon en jean. Je sais pas, peut-être qu'à l'époque où ils ont sorti au travail, il y avait... Je sais pas, ils avaient configuré pour que ce soit noir de monde, hein, mais là... C'est le seul Sims qu'il y a sur place, quoi, s'il te plaît. Ah, bois pas de l'eau! J'avais demandé. Tu vas l'arrêter direct, vas-y, on s'en fout. Bago MCC. Ah bah non. Oui, dans leur avis, elle a fait quand même une enfant qui se retrouve dans le challenge, donc ils ont bien bossé. Ouais, mais il n'y a pas Martial. C'est pas avec Martial. J'ai juste mis ma Simself toute seule, comme une grande fille, et elle a fait sa vie. Martial n'est pas dans l'ordinateur dit. Je peux le mettre. Je peux te mettre. De toute façon, moi ma Simself est décédée. Donc, tu seras tranquille. Faut que je te relook. Je te mettrai dedans. Ça rend trop obvious. Les suspects dans le jeu, ils sont toujours à l'aune au milieu de rien attendre. Mais oui, c'est trop facile. Il n'y a pas de challenge. There is no challenge. Oh, une famille astrée. Moi j'ai un enfant, j'en ai deux. Oui, mais dans les Sims, personne n'aime les enfants, voyons. Interrogez le susprout. Interrogeons. Ah, et en plus elle est là. Oui, elle s'entraîne, regardez. C'est ça, entraîne-toi à manipuler le détective Toya Rainbow. Ah non, on va rester tard. Ah oui. Qu'on la fasse avouer, cette grognasse. En plus, qui porte des savates comme ça dans la rue, s'il te plaît? Allez, Toya, bouge ton nion. Qu'est-ce qu'il a? Indice ponible. Quel jeu de mots, les Sims, franchement. Je crois que je l'ai déjà fait. Mais... Oh, Ebso. Vas-y. Vas-y, vas-y Toya, vas-y, yo yo. Il est colère. Alors, on va faire le... Ah, c'est là. Méchant policier. Plus de choix. Alors, on va raconter une histoire sur la prison, j'ai envie qu'il soit méchant. Vu qu'il est énervé, j'ai envie qu'il soit méchant. Fixer froidement. Méchant policier, jouer le policier en colère. Méchant policier... Décrire les horreurs de la prison. Bien sûr, on va se mettre face à lui pour pas en louper une miette. Et parce qu'il est beau gosse aussi. La miette, nous, on les récupère, on les avale avec lui. Hein. Pas déconner. Allez! Toya,
C'est ton show, c'est maintenant. Elle a eu un gamin par une immaculée conception. Bah non, elle a eu un an. Elle marie, mais je le dis dans l'épisode. Salut River Jazz, comment vas-tu? On dirait qu'il parle russe. Oula, j'ai peur. Flamber Yabakoi, Ubawa Navari, Kampuda. Ah, Beningrabe, Manzo Navoya, Ukarawa Susa Falaru, Bawa Slobin. Et juste après, il sourit, tu sais. T'es bon? T'as fini ton show? Il a fini son show. Il a fini son show pour Capic. Mayumi semble suspicieuse. Allez, on va l'achever avec des preuves. Les photos du crime. Preuves. Les empreintes digitales. Je sais que j'en aurais pas. Déclaration de témoin. Voilà. Ah, la personne suspectée semble coupable. Il est temps de la mettre derrière les barrels. Méchant le monsieur. Mais non, il est gentil. C'est juste pour faire peur à cette affreuse coupable. Ah, tu peux pisser culotte, hein, madame, hein. On sait que c'est toi. T'étais toute seule. T'étais seule toute dans la salle de sport. Qu'est-ce que tu crois? Yalma? Il dit banane grabé, ça veut dire je le savais. C'est comme ça la vie, les enfants. On est trop forts. J'adore quand ce nerf il est sexy. Hein. Affaire classée. Alors, allons discuter des théories. Avec Astray. Qui s'appelle Yuna. Ah oui, GG Toya. Ben vu, Totoya. C'est le plus fort. Refresh uniform. Ushi, Parsagap. Mikwe. Fwifa. Elle est déjà adulte. La vache. Se faire assigner une affaire. Ok. Non. Je me suis trompette. Se faire assigner une affaire. Oh merde! Oh, j'avais cliqué sur pour supprimer, là, les Sims. Vous déconnez un petit peu, là. Oh, les tombes, elles sont... Elles ont fait chpouche, elles sont revenues de... Isabelle Cheverny, Thomas Tinker, Alice Tinker. Ah, bah... Sorry. C'est les voisins en plus. Nous on habite là. À savoir, il va pas avoir beaucoup à traverser pour entrer chez lui. Quoi, j'entends de l'eau. Ah, c'est ça. Travik Bashen, Simonis Arrow. Chargement. Et une jolie collègue pour changer les couches des bébés quand Manon sera morte. Elle meurt quand Manon? Bah ça on va le voir. Et nous avons gagné 1759 Simflouz. Rien que ça les enfants. Et nous voilà rentrés. Et on n'a pas eu de promotion. Oh. Ré-
résoudre 4 affaires. Performance excellente. Écoutez, nous avons tout ce qu'il faut où il faut. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Responsabilité. Ok, bah, vas-y, fais ta vie. Toto Yacht ! Bah oui, t'avais même pas fini ton yaourt. Allez, mange yaourt et muesli. Bah, j'ai... C'était yaourt et muesli ? Qu'est-ce qu'ils veulent, les crapauds ? Ça leur va bien, crapauds, parce qu'ils sont verts. Oh, on va demander à maman. Maman va filer la rage à tout le monde. Qu'est-ce qu'elle est bronzée, un truc de fou. Fièvre et vertige dans 11 heures. Maladie du rongeur transmissible. Ouais, mais les bambins, ils sont infugés. Ils ont peur de rien. Sueur et douleur. Manon sue et se sent mal. Est-ce un signe indiquant qu'elle n'aime pas le fitness? À votre avis, est-ce qu'elle aime le fitness ou est-ce qu'elle ne l'aime pas? Est-ce qu'on dit oui ou est-ce qu'on dit non? J'ai plus rien à boire. Je vais me chercher à boire. Moi, t'es toune. T'es joli, mon chaton. T'es joli, mon garçon. Quoi? Mais il se planque. Mais qu'est-ce qu'il est, hein? Oh non, mais là, il faut que je prenne une photo de Jenny, c'est pas possible. Là, j'arrive. Ah bah en plus il y a un petit sondage qui a été fait, parfait. Pour une micro pause. Voilà comment il dort cet animal. Ah putain, mais c'est pourquoi ça fait pas comme il faut. Ah ouais, vous voyez. Il dort comme ça. Et encore, il a encore bougé, là. Sa petite tête de con, là. Je vous jure, quel petit con. Tétété, rotaton auto. Tu sais, je continue à découvrir ce téléphone. Bref, vous avez vu. C'est l'essentiel, non? Le reste n'est que superficiel. Apprivoiser la bête. Ouais, bah ouais, il faut que je l'ai pas encore en prise en main comme il faut. Non? Allez. Oh, c'est jour de loterie. Attends, parce que on a eu de la chance une fois. Mais ça peut revenir. C'est où? Vas-y. Ceci, c'est encore la femme qui... La place de la femme qui a la cuisine qui nous prend une... Un ticket gagnant. Oups, elle est morte juste après. Oh, quel dommage. Il est 21h, hein. T'as fait tes devoirs? Fais tes devoirs. Ouais, bien fait. Une crédit sur la loterie. Oh, la télé est cassée. Ouais, elle est cassée. Vas-y, fais la crédit sur la loterie, mais il y a quand même t'as une très, très peu de chances de gagner.
Vas-y, si tu veux faire une prédiction sur la loterie, go. Pop peut désormais utiliser. Tu iras l'apprendre à ton fils aussi après. En vrai. Toi aussi, tu vas aller sur le pot. T'achètes un ticket de loterie et tu vas sur le pot. Oh, mais dégueulasse cette gamine. Oh! Elle s'est assise au moment où il y a eu le. C'était immonde. Salut Alice, comment vas-tu? Maman, tu vas apprendre à ton fils à aller faire caca. Plus vite que ça. Yo, lolo, lolo, lolo. Ouais. Va intoxiquer les autres. Pas ton mari. Ebony. Oh, Colin. Watani, Kofa, Wixona, Zarspa. Usenet disparu. Ya. Yes, une prédiction est en cours, vous pouvez. Dans le chat. Du coup, vous pouvez espérer gagner des Q-points. N'hésitez pas. Qu'est-ce qui va se passer ici? Mentir sur la carrière. Il fait quoi comme carrière? Il est flic. J'ai hésité, je savais plus. Ça va, hein, en vrai, il y a pire, hein. C'est vrai qu'ils ont pas. Mais pourquoi il est monté ce gosse? C'est vrai qu'il y a certains gamins, certains flics qui ont pas la côte. Et bon. Tu vas jouer après avec. Avec Merguez. Sans te faire mordre. Non, ils aiment bien Toya. Parce que Toya, ben il a. Quand il était petit, il s'en occupait. Elle, c'est qu'une étrangère. C'est pour ça que. C'est pour ça qu'ils veulent la tuer. En fait, Roger. Roger est mort. Et sur son lit de mort, il a dit à Merguez: écoute-moi. Tu la tues, celle-là. Elle n'est pas digne de Toya. Comme Père Fouras. Il a parlé comme Père Fouras, Roger. Et du coup, bah, Merguez s'est mis au boulot. Tu veux pas mettre du papier dans la pièce, Jamster? Non. Je le garde pour avec l'extension qui sort. Tira. Prochainement. Il y a beaucoup de points. Mais qui c'est qui mit quoi? Oh, ça sent Linette qui veut se débarrasser de ses points, ça. 45 000... C'est... Non, c'est un pouce. Il a mis 45 000 points sur le nom. Mec, t'as plus envie d'avoir autant de points? Ou tu crois vraiment... Enfin, oui, si, parce que ce sera sûrement non, hein, à un moment donné, il faut pas... Hein. Sur le yes, il y a quand même 11%. Et qui signe avec 15 000 points? Aïe. Vous êtes quand même... hein? Bon. Vous avez la foi, hein, t'approches pas trop d'elle, hein. Tu sais qu'elle va faire la vaisselle après. Toi, en plus, elle va faire le ménage. Tu peux ranger la bouffe. Tu seras bien bien. Et puis après, tu iras te coucher. J'ai cru entendre un bébé. Mais moi, il n'y a pas de bébé dans cette génération. Enfin, il n'y a plus de bébé. Elle passera après un petit coup d'aspi. Et elle fera la vaisselle. Elle a plein partout. On en profite tant qu'elle est encore là pour servir. Il t'en reste toujours, la vache, mais t'en as combien, Tom Pouce? Salut Fanny, comment vas-tu? Et Toya a vieilli ou
si on a oublié son anniversaire. Narlis Dulane. Toujours aussi sexy. Hein? Tu vas pas admirer un s'en fout du lapin. Va aller pleurer dans ton lit. Ah, oh, il est colère, tu saoules. Va te coucher. Pas s'énerver, Shirley, pas s'énerver. Zen, ma tête Oya, oui, ma tête Oya. Tout, 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 tout. Yeah. 147 Vache. C'est une grande optimiste qui kissime, c'est bien. Et voilà, les jeux sont faits. Et maintenant, eh ben, on attend de voir ce qui va se... Ah, il est 1h13. Je pense qu'à 2h du matin, on ne peut plus acheter des tickets et on sera au courant dans quelques heures. Sims. Ça a tout qu'on a zappé. Oui. Oupsie. C'est surfait, les anniversaires, maintenant. Oh là là. Pas à peine de dire, ah ben ça fait un an de plus que je suis vivant. On le voit, t'es là. Et lui, c'est... Bah t'es pas mort. Covid, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Oh, oh, ça pue, hein. Eh oui, ça pue, grognasse. Allez, va dormir. Toya ne vieillit plus. Pourquoi? Trop sexy, c'est ça. Et pourtant... On va attendre qu'elle soit vachement hébétée et puis on la fera préparer à la télé. Le jour fait était une réussite. Enfin meuf, je t'ai pas encore demandé de faire le ménage ici, mais ça ne saurait tarder. Hein. Bah, il finira par vieillir et mourir hein, quand son enfant de la génération verte prendra le relais. Ah, explosion nucléaire détectée. Bah tu vous voyez, il fait des expériences cheloues, merguez. Je pense que c'est... C'est Roger avant de mourir, il lui a donné des instructions. C'est triste. Tu as mis la vue? Pas du tout. C'est une pub de 30 secondes. Et bien je la mets tout de suite. Donc je remercie les gens qui vont voir cette pub. N'hésitez pas à dire dans le chat si vous avez vu une pub forcée. Puisque comme ça je pourrais savoir à combien je vais gagner. Non, c'est pas vrai. C'est juste pour voir s'il y a beaucoup de monde qui la voit ou pas. C'est tout. Voilà. À tout de suite. Ouais, 27 minutes de retard quand même. C'est parti. C'est parti, c'est pas à tout. Son prochain sera le dernier. Hein? J'ai oublié ce que je disais. Il y a un lapin. Mais regarde, la meuf, elle a pas fait le ménage. Vous savez que maintenant je désactive la poussière dans toutes mes parties. Ça me saoule. Ça me saoule de voir le truc. Ah, merci Ondine pour la pub. Bah normalement si vous êtes sub, c'est que vous, normalement vous n'avez pas de pub. C'est bien normal. C'est beau le petit lapin. C'est ce que j'ai retrouvé dans mes plantes tout à l'heure. Il bougeait pas. Mais c'est à peu près ça. Bah tu peux... voilà. Vas-y, fais ta vie. Ouais, tu vas pas toucher l'ordi, hein, je te le dis. Hein. Ah, c'est vrai que tu peux rien faire, wesh. Si, tu peux jouer dans ta chambre. Là. Tu pourras... là. Ah, Totoya, qu'est-ce que tu fais debout? T'as dormi, hein, j'espère. Ouais. Ah, il a besoin de social. Tu vas éliminer la journée avec pomme de pain. Pomme d'api. Oh oh.
Ah, quelqu'un s'est échappé alors. Tout à fait. Est-ce que vous aussi vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Ah, ça se met à bouger parce qu'il y a du vent, tu sais. Mais ça fait pas des... Parce que là, par contre, je vais flipper. T'imagines à ta fenêtre, la nuit, t'entends... Pire que dans l'exorcisme, ma tête, elle fait... Elle fait 2-3 fois le tour. Comme c'est Manon, on n'y va pas. Oh, c'est mignon. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux pas jouer avec ta gosse? Jouer. Et ça arrive, hein, ça arrive, hein. Fièvre du rongeur enragé dans 22 heures. La toux de Manon s'est transformée en grosse fièvre. Ses étourdissements sans S, les Sims, ça va pas du tout, sont inquiétants et elle perd le contrôle de sa vessie. Oh merde alors, m'a spissé dessus. Elle devrait faire des recherches sur cette fièvre sur un ordinateur pour trouver un remède. Oh, je vais rentrer. Ma pauvre petite Manon. J'aime beaucoup cette situation. C'est le seul moment où les gombins, je les trouve mignons, tu vois. La plupart du temps, c'est l'enfer. C'est des démons. Bah oui, casse des briques, mais ça a été voté, hein. Bon, y a pas eu beaucoup de monde qui a voté en plus, mais... Moi, j'ai pas voté. Donc, je pouvais pas mettre... Je pouvais pas mettre... ma main à l'édifice. À la pâte. Enfin, bref, t'as compris. Ma main à l'édifice. C'est la pierre à l'édifice, c'est pas grave. En fait, c'est pas le bambin que je regarde. Oh, la coquine! Avec ton petite aubergine verte, là. On a tout compris, hein. Oui, alors qu'il tient encore la bite dans ses mains. Il va y bosser. La bite dans la main, évidemment, bien sûr. Bah, il est téléporté. Quoi, du chocolat? Qu'est-ce qu'il y a du chocolat? Ah bah voilà, casse des briques. Bah on l'a voté tout à l'heure déjà. Je sais pas quand, mais tout à l'heure. La pomme et le Hulk ont été mis à la garderie. Oui, oui. Toi, tu vas bosser dur. Je m'en fous, tu t'auras jamais de promotion. Et toi, tu vas te faire des amis. Alors, se faire assigner une affaire. Oh putain. J'en ai marre, tous les sorties sont pris. Ah bah. Attendez. Quelle jolie coiffure. Très tendance cette saison, hein. Très tendance cette saison. Alors toi, tu dégages. Ah, tu peux pas. Pourquoi? Oh non, hein. Ah, mais est-ce que je suis avec elle? Mais tabarnak, qu'est-ce que je suis... Qu'est-ce que je suis terte à la crème. Quel est votre pays préféré? Le pays du fromage et de la charcuterie à tous les repas. Mais oui, mais oui, mais oui. Les adultes. Du coup, il s'est pas lavé les mains? Bof. Un mec parmi tant d'autres. Alors, analyser une preuve, comparer des informations. Alors, on est sur l'ordinateur. Comparer des informations. On va analyser une preuve après. Allez, quand tu veux, hein, Jacqueline. Arrête de parler! Mais si t'avais analysé une preuve, comparer les informations. Encore?
Fichtre, tu entres. Ah, parce que c'est Madame Connasse, là. Elle s'est dit... Mais c'est pas vrai, on a gagné à la loterie. C'est le gros lot pour ceux qui ont dit oui. Le gros lot. Anna, la... Oh putain. Ah oui, ça fait deux fois, ouais. Deux fois que je joue à la loterie de suite. En, la... en plus, en live, moi je fais ça, clac. Oui, non, je ferme les fenêtres. Attends, merde, j'avais pas vu le 1 million tomber, là. Oh, la... J'avais jamais gagné. On a gagné sur le Legacy en live. On a gagné sur le notre Sobéry en live. Il faut que je fasse que des lives, moi. C'est comme ça. Oh la vache! Ah, purée, 175 000 points vont à Kiki Sims et 4 autres personnes. Qui sont ces personnes? Désignez-vous. Parce que là, jouez au loto de votre côté aussi, on sait pas. Parce que, putain... Oh purée! Toi, Simstover, t'as gagné? Mais c'est génial! Je croyais que c'était impossible de gagner Tristas. Mais si, si! Si, si, on a gagné il y a 3 semaines! 3 semaines sur le Legacy! Bah pareil, moi je faisais pas attention, machin, et à ce coup je fais... Qu'est-ce qui se passe? Oh purée! Banner, t'avais gagné! Oh purée, canon! Même si j'avais mis oui, je n'y croyais pas. Eh ben si. Eh ben moi non plus. Hein. Franchement, je m'étais dit non, mais on a gagné une fois, ça va, on va pas gagner toutes les fois, quoi. Ah la vache. Ah je. Waouh. En plus, j'étais en train d'insulter elle là parce qu'on pouvait pas bosser ce qu'on. Oh la loterie. Schling, schling. Une fois que je rate bien. Je suis désolée, Tom. Après, t'as beaucoup de points encore de côté, heureusement, mais heureusement que t'as pas fait des all-in, hein, parce que j'avoue que là, ça abusait. Si seulement j'ai autant de chance au loto, qui te dis-tu? À chaque fois que je réponds à une prédit, je rate, pourtant, là, j'étais sûre, je suis vraiment l'opposé de Tom Pons. Ouais, ouais. Ah non, mais là, c'est... Ouais, bravo aussi à Martial d'avoir proposé cette prédit parce que je m'étais dit oui bon bah ouais on connaît déjà la réponse. Ce rebondissement. Ah bah ça va, on est tranquille hein. Encore une fois et c'est en plus le Legacy, on est à peu près à la même génération, on est à la génération 8. Ouais. Et on gagne en même temps. Mais écoutez les enfants, si vous avez jamais gagné à la loterie, allez jusqu'à la génération 8 d'une famille, peut-être que vous gagnerez à ce moment-là. On sait pas. On sait pas. On va comparer les informations encore une fois. Parce que c'est la troisième fois qu'il nous demande. Et on va ajouter des indices. On va commencer et on ajoutera des indices. Oh, quand même. Non, casse-toi. Tu dégages. C'est nous, c'est notre ordi. Voilà. Allez, salut Cyrine. À bientôt. À la prochaine. Oh la vache, je suis choquée. Et en live, faut gagner. Oui, c'est ça. J'ai le nez fin. J'avais 203. Ben, Tom, j'espère juste que cette fois-ci, c'est dans mon compte en banque que ça va tomber. Tu vois ce que je veux dire? Que le 1 million, c'est moi, en vrai, dans la vraie vie, que j'ai les payés de tasse comme ça. Je ferai ça aux abonnés. Je ferai des giveaways de 100 balles. À chaque live. Oh putain, j'en aurais du monde. Popopa! L'argent! Eh, des giveaways de 100 balles à chaque live, moi, je peux te dire que je vais avoir du monde. Hein. Tous les lèche-boules. Ah, Shirley, je t'adore! Ça, en vrai, dans la vraie vie, j'adorerais gagner une grosse somme d'argent. Pourquoi? Parce que je m'en cacherais pas dans le sens où j'en parlerais.
Je le crierai pas sur les toits, je me baladerai pas avec une banderole dans la rue en disant j'ai gagné au loto. Juste, je le dirai, voilà, j'ai gagné, machin et tout, tranquille, mais vas-y, voilà. Juste pour voir tous les faux culs qui, d'un seul coup, vont revenir dans ma vie en disant oh, mais ça va depuis le temps, on se boit un verre. Qu'est-ce que je kifferais. Puis je jouerai le jeu. Oh oui, ça me ferait plaisir de te revoir. Puis au bon moment, oh, ouais, je les enverrai bouler ta mère. Alors, le suspect portait un short. Oh, incroyable du cul. On va comparer beaucoup de choses, j'ai l'impression, aujourd'hui. Nous, on t'a aimé sans argent, alors qu'il n'est faux cul. Ah, mais tellement. Bien sûr que non, Marcel, t'inquiète, le château, il sera à nous. Il va y avoir beaucoup de faux culs. Mais oui, c'est ça qui est drôle. Bien sûr que... Bah oui, Sean, qu'est-ce que j'ai dit? Des giveaways de 100 boules. C'est pas mal. Eh, 100 balles gagnées comme ça, tu passes sur le live, tu gagnes 100 balles. Ça, il y en a des faux culs. Oh oui. Il y en a même qui font des streams, d'ailleurs. Et tu le payes le verre. Bah oui, hein. Et moi, j'irai. Pourquoi? On fait toujours... Tu payes ta part, je paye ma part. On a toujours fait ça. Dans le temps. Ah, parce que j'ai gagné des holoto. Oh, bah tu paieras tout, je me casse. Voilà. Et, tu vois, ce genre de truc, tu vois. C'est un peu kiffant, tu vois. C'est... Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Alors on pourrait dire à ta vie comment elle est. Bah, c'est comme ça. N'oublie pas qu'on t'aime, hein. Comme dans les Sims, on se connaissait avant que tu deviennes célèbre, c'est ça, c'est exactement ça. Et là, le plaisir de t'envoyer chez mes tellement. Je suis pas mésdisante. Ah non, je suis malveillante, c'est mieux. C'est le grade du dessus, tu vois. Moi, je fais pas les choses à moitié, moi. Moi, je suis directement le grade supérieur. Parce que je suis comme ça, je suis malveillante. Il roupille, hein, un petit chaton, là. Vous allez pas le voir de la soirée. Mais il y a que ça, faire des comparaisons. Ouais, il est bugué, mon jeu, quoi. Et dire que Toya s'en bat l'œil de son côté. Mais si, regarde, il est content. Excellent jour sous férié. Enfin, oui, enfin... Le mec fait... Ah, j'ai passé une bonne journée hier. J'ai gagné 1 million, j'en ai rien à foutre. Profite, mec, parce que ta femme va bientôt clamser. T'inquiète, tu vas avoir des meufs à tes pieds. T'as pas idée. Tiens, on va parler avec notre sœur. Bien sûr, comme par hasard, la sœur, elle revient. Ah, dis donc, mon frère. On est quand même liés par le sang, t'as pas oublié ça? Non, j'ai pas sauvegardé. Ah, tu as bien raison. Salut, Rikikis, comment vas-tu? J'ai entendu giveaway. Allez, voilà, tiens, il y a encore... Et Alex n'est pas là, parce que Alex, lui, il m'a follow juste parce que je faisais un giveaway, hein. Et puis il allait unfollow comme beaucoup fous, parce que quand le giveaway est fini, qu'ils n'ont pas gagné, ben ils se barrent. Et il s'est dit, ah merde, parce que j'avais mis un message sur Twitter comme ça, ça y est, la vague des unfollow va arriver, parce que le concours est terminé. Et il s'est dit, ah merde, bah attends, je vais rester un petit peu. Et puis il a regardé ce que je faisais. Et puis finalement, il a kiffé. Puis il est. Voilà, il est juste un peu moins là parce qu'il est occupé, mais. Mais sinon, c'est quelqu'un qui vient souvent, quoi. Ah, tu as ajouté des indices. Je suis en lurk, mais je me suis sentie obligée de sortir de mon trou. Ah non, mais alors là, c'est priceless, là. Encore le. J'y croyais pour au moins. Eh, vivement dans le Lord and Lady, alors, le jeu de la loterie. Je plaisante, il n'y en a pas. Indice découvert. Alors, j'ai pas regardé ce que c'était. On va recomparer. En même temps, là, on est à fond. 13h, ouais, ça va. On va pouvoir aller sur le terrain. Allez, patrouiller, pardon. Ah, so. Ouais, bah non, j'ai pas envie d'aller patrouiller, en vrai, c'est chiant. Faut attendre qu'il y en a qui se battent et tout. Bah ça va, tranquille. J'ai gagné 1 million de Simflouz, moi ça va. Hein. J'ai hâte du 1 million d'euros, hein, moi je vous le dis.
C'est pareil, hein, vous, faudra comme ça, vous pourrez arrêter les subs hein, avec un million d'euros. J'ai l'air de signifier. Un million d'euros, j'ai plus besoin de subs, moi. Je repasserai en mode... Ah non, c'est chiant, parce que c'est au niveau des points que j'aime bien, moi, aussi. Sinon, il n'y a pas les points de chaîne. C'est ça qui est relou. On va économiser à fond. Bah grave. Il y en a certains, oui, ils vont économiser à deux, au fond. Marine, notamment. Alors, le suspect était un homme. Il a des grosses coucougnettes. Quelle nouvelle indice incroyable va-t-il nous trouver? Il portait une veste. Waouh. Comparer les informations. Ah ça y est, il est hébété. Oh Dieu. C'est incroyable à quel point les conditions de vie de quelqu'un peuvent soudain changer du tout au tout, mais si seulement. Ah mais ce serait en même temps je joue pas au loto, donc je pourrais pas gagner. C'est malheureux, mais si j'ai joué deux fois, un truc comme ça, j'avais dû gagner aussi, c'est un genre 4 balles. Que tu pourrais faire une super maison pour la dernière génération. Ah, ça va être long hein, pour la faire. Une maison à Soulani, évidemment. Ajoutez des indices, vas-y encore, ajoutez des indices. Regardez-moi dans quel état il est. Tu me diras, je gagne un million d'euros, je sais plus dans quel état je suis aussi. Hein. Dans mes rêves. Ah, un blond qui porte une veste. Regardez-moi cette tête. Je vais y arriver, hein. C'est comme François Hollande. Analyser les preuves. Lancer un avis de recherche. Pa, 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 pa. J'ai gagné de la thune. Si un jour vous voyez comme ça, c'est soit j'ai gagné au loto, soit je suis bourré. Bien sûr, je vous laisserai deviner. Oh, c'est là où on a rencontré la duchesse. Promis, je regarde pas. Je triche pas. Je regarde pas s'il y a... J'ai pas vu s'il y avait un Sims. Bon. On va regarder Wildenburg. Voilà. L'ambiance reposante de Wildenburg. On va attendre que d'autres susproutes arrivent. Mais sinon, ça va, vous? Vous avez gagné au loto aussi, putain. La blancheur extrême. Je me paierai des UV, tiens, avec mon million d'euros. Donc tu seras bourré. Il y a plus de chance. Hein. Au niveau chance, ouais, je dirais que c'est 99,9 bourré, 0,1 loto. C'est de l'ASMR Sims. Si ça vous donne envie de pisser, bah, je suis désolée. On te voit comme ça, on s'inquiète surtout. Ah bon? C'est pas mon état normal? Avec la base. On sait bon ou pas? On a droit de regarder? J'ai droit de regarder maintenant pour jouer ou pas? En tout cas, c'est très vide hein, comme quartier et on voit pas beaucoup de monde. Hein. J'attends que vous me dites go. On y va? On triche pas. Hein. Quelle foule! Bon.
J'ai essayé, hein. J'ai essayé de jouer le jeu, hein. Mais Pranav, Savalani, est le seul être vivant de ce monde. C'est bugué quand même. Il n'y a pas un seul être vivant à part Toya et lui. Ah, j'ai parlé trop vite. Ah, il y a Orion. C'est le mari de... de personne. On les avait pas mariés. Oui. On les avait pas mariés. Oh. Bah, c'est encore la maison de Pulco. De Pulco, de Nunu. Ah, il y a encore les meubles dedans. Pulco, Nunu et le début de Lila. Voilà. La table d'échecs pour... l'affrontement final des jumelles. Ouais. Il y a encore les portraits qui traînent. Ils sont buggés, mais ils sont là. Bon, très bien. Alors, nous allons regarder nos indices, car détective. Il a les cheveux blonds, il porte une veste, c'est un homme, il est méchant, il est jeune adulte et il porte un short. J'aurais plutôt appelé ça Bermuda, messieurs, dames. Nous allons l'arrêter. Mais comment va-t-on le trouver ? Oh ! Oh oui, Toya, attache-moi. Ça m'excite. Il y a toujours un quimpelé et attendu encore. C'est comme essayer de jouer à Où est Charlie, mais la version Covid. Où est le Covidé dans ce quartier ? À vous de le trouver. C'est pire que les exercices que l'autre connasse de... Comment elle s'appelle ? Dora nous fait faire, là. Est-ce que tu peux voir mon sac à dos ? Bravo ! Il était dans mon dos ! Narfa. Niveau décolleté. Ouais. Oh, c'est parce que j'ai des gros nichons qui tombent, c'est pour ça, t'as l'impression que, mais... Oh bah ça y est, t'as des toilettes à la japonaise, toi. Non, on va rester terre. Tabarnak. Bon, elle crève quand, elle? Oh, ça y est. La toux de Manon s'est transformée en grosse fièvre. Meurs. Tu vas pas bouffer, non? Ça va bien. On va cuisiner le suspect. À la place. Interrogez le susprout Pranav Salavani. Si, c'est la justice, hein, mon gars. T'inquiète que dans les Sims, la justice, on l'a fait régner. Oh bah! On a des gaz, madame? Vous êtes sûr que vous voulez pas de charbon actif, là? Eh, ça gangbang ici. Oh, Rachid, il est devenu tout vieux. Ah ben non, mais il va crever là, le pauvre. Il va crever en tôle, je le sens tellement fort. En plus, on le connaissait déjà, ce mec. Franchement, comment il a tourné. On t'a connu tout petit, Pranav. Ça ne va pas du tout, hein. Un Bonita. À côté de chez Wam. Attendez. Amour. Méchant policier. On va agiter des menottes. Ça va peut-être lui réveiller des envies crookies. L'intimider. Méchant policier. Bah, menacer avec des araignées, en vrai, on les voit pas, les araignées. Poser des énigmes stressantes. Et on va le menacer avec des chatouillades. Chatouilladon.
Ah mais non, je voulais la table moi. Pourquoi j'ai pas la table? Laisse-moi la table. C'est pas drôle sinon si on n'a pas la table. Alors, ça va être le show de Toya. C'est pas ti, c'est par ta. Snar by Concrete. Oh! Ulabar Nukoi. Oh! Schnappe. Wobby. Shabney? Chazzle. Oh, bébé. L'image est bloquée. Sell your shirt. Il faut refresh. Morano, Barzon, Flamo, Bifra, Quas, Harfin. Bumposhna. Kinaku, Swarsa, Kitsuni, Fanoka. Elle attend son mari pour mourir, c'est ça? Deba. Gowangi. Omiva. Est-ce qu'elle peut mourir qu'elle puisse aller fumer à la clope sans avoir à le faire louper ce moment? Ce sera peut-être pour la scène 3. Hein. Je viens voir un policier chatouiller un suspect pour le faire avouer. Morgan, il est tout triste tous parce que... Monsieur, il a faim! Oh, bah oui, il sait pas travailler. Pranav semble content de lui. Allez, on va lui éliminer l'épreuve, là, comme ça. Là. Mettre l'épreuve devant le pif. De toute façon, tu peux pas t'en sortir. On sait que c'est toi, il n'y avait que toi. Révéler les cartes de visite. Je sais pas ce que c'est, révéler les cartes de visite. Voilà. She a court, Rotat. J'ai chopé le pénitent. Benek. Rissim. Bequam. Yelix Drymus. And beef buisa, noyab, memron, moy bean. Oh, sawubi. Shemaya. Encore un petit peu. Hein? Faut le stresser là, Toya. Vas-y. By camp, boshi. Ça y est, c'est bon là. Je pense que là, on va l'acheter après. Chloup! Et ça disparaît. Il peut commander du caviar et champagne? Qui ça? La personne suspectée semble coupable. Il est temps de la mettre derrière les barrels. Pardon. Ah oui, pardon, vous voyez pas bien. I knew it! Toya, s'il a faim, c'est un nouveau riche. Ah oui, c'est vrai. Tellement ça, il est riche à foison. Il a gagné 1 million. Putain. On va croire que je me suis ajouté, tu sais. Que j'ai mis... que je me suis mis 1 million de plus. Genre, ouais, la meuf, elle joue, mais... Un petit problème de porte là. Genre ouais, la meuf elle fait genre un challenge et tout, elle s'ajoute de la thune. C'est pas comme ça qu'on joue aux Sims quoi, franchement moi je préfère de la difficulté. Hein. Sinon c'est pas marrant. Ouais, il a rien à bouffer là comme ça. Bon il finit bientôt. Ouais bon il finit bientôt, on a une putain de journée. J'espère qu'on... Vas-y. Mais moi je veux qu'il ait une promotion là. Salut Armageddon, comment vas-tu? T'as bronché sur le Motherlode? Jamais. Je triche pas. Putain Astray, tu fais chier. On peut acheter des pulls. Rouge fraise pour... Oh, turquoise. Oh, c'est dommage. Hein. C'est pas la bonne... Oh, je le fasse à temps en temps. Astray, tu me dégages. Bah toi, tu t'en vas. Toi, on s'est pas quitté, tu t'en vas. Parcourir la base de données. Bon, elle est mignonne, hein. Oh, ça va. Pardon, excusez-moi, madame. Je vous avais pas vu. Elle est belle. Phoebe Halliwell. Pas de soucis, Ricardo! Des bisous, à bientôt!
Hinara your barosh your bag. Yes. Dombila, Buskiwi. Fadish. Bah, quand tu dis un, tu fais un moins avec Astrai. Bah, tu vas te faire signer une affaire. Hein. Pourquoi ça monte pas? Oh, il a faim. Elle est jolie, on a trouvé la future. Oh! Oh oui! Toya a été promue. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre Sauberry. Dieu, tu fond de mon lit. Capitaine Flamme! Il gagnera désormais 27 simplus depuis ce soir, soit 150 simplus de l'euro total. Il a également reçu en bonus la plaque Honneur et Prestige, la plaque Star de la police, Carole et Hubert. C'est les nouveaux Jacques et Michel. Éclairage interrogatoire, lampe rétro-détective, les éclairages derrière les barrels, éclairage d'alerte 88D par écran bleu, éclairage puissant nuit lumineuse, un calendrier Sims en uniforme, orange dossier et 984 simplus. La prochaine journée de travail, qu'on sera vendredi à 9h. Armageddon, oui, il faudrait que je continue. J'ai pas fini la maison. Il faudrait que je trouve le temps de refaire un peu d'un super. Mais la maison n'est pas finie. Donc c'est vrai qu'on a un programme assez comme ça. Mais je pense qu'il faudrait que je coupe. Quand je, par exemple, on fait le Legacy, on fait le Legacy pendant 2 heures, après on change, on fait autre chose, parce que sinon, il y a beaucoup de jeux que je voudrais faire ou continuer et qui sont pris. Il faudrait qu'on avance sur le Legacy, qu'on le finisse, quoi, c'est surtout ça. Ben bravo, mon petit toton! Mais tu es bien, regarde, il y a ta fille. Tu vas raconter une histoire populaire. Dans les balles populaires, je connais pas les paroles en l'air. Naya Floof! Zistum Hograu, Seneke, Belindi, Grenea, his pop, Abimo, Quaifa, Boisi, Fimba. Seneke, Grenea. Kene Drobna, Astolo, Osto. Yifla, Vlinda, Nuvi. Turki, Shuksona, Lo. Ouais, bah, il s'en fout ce que tu racontes, ma cocotte. T'en es où, toi? T'es encore en maillot de bain? Ah ouais, elle a de la fièvre. Oh! Non, toujours niveau 1, participer activement à la journée de travail. Non, bah on s'en fout. On va mourir. Tu meurs pas encore? Oh non, 21h, non, ça se met en pause. Elle va donc pas mourir tout de suite, les enfants, je suis désolée. Elle mourra la prochaine fois. Dans j'espère d'atroces souffrances. Tu manges quoi? Pommes de terre en rampe des champs. C'est moignon. Tu iras prendre une douche. Loin de ta femme. Je voudrais pas que tu sois enragée non plus, toi. Oh, qu'elle est bien cette petite! Elle apprend la propreté. Pas de soucis, Tidouille, des bisous à toi. De toute façon, on va finir la journée et puis on va s'arrêter là. On aura déjà pas eu pas mal d'émotions. Entre la loterie et la promotion. Et la mort qui va frapper cette pauvre Manon. Ça fait quand même pas mal de choses, tout ça. C'est un live incroyable. À toi, ya. Oh, il veille sur le pot lui-même, petit chaton. Le Hulk. Elle a de la fièvre. Hein. Ah oui, ça va chanter des chansons. Vous avez vu comment il l'a ghosté? On n'y est pas encore. Hein. Comment ça, je suis sadique? Je peux rien, moi. C'est vous qui avez voté pour la laisser mourir, alors. 52%. Je le rappelle, c'était serré, comme dans mon slip. Mais Zigfluga. Bonne nuit, Tinou. J'aimerais bien voir la tête de la pauvre Marine devant la rediff en apprenant que sa cime a crevé dans d'atroces souffrances.
Eh, avec un peu de chance, elle arrêtera de m'offrir des subs à cause de ça. Oh, j'ai vrai, j'ai voté pour... Ah bah alors, franchement, vous n'avez pas honte, c'est vous, hein, moi j'ai proposé, parce que voilà, ça change, ça fait du bien aussi d'avoir un peu de challenge, de drama, tout ça, parce qu'à chaque fois, ils sont morts vieux. Eh ben, elle aura pas le temps de vieillir, mais c'est ça qui est bien. Elle peut mourir jeune, elle sera toujours belle et jeune et bien faite. Vous voyez, c'est l'avantage. C'est l'avantage de mourir jeune. Vous aussi, hein. Non, je rigole, pas vous aussi. Ne mourrez pas, pas tout de suite. Pas avant que j'ai gagné mon million à la loterie, évidemment, ce serait dommage. Ni après, parce que sinon je pourrais... À qui voulez-vous que je fasse des giveaways de 100 boules, moi, hein? Imaginez, ce serait dingue. Genre, tu stream et tu donnes... Bah, c'est comme Mr Beast, hein. Mr Beast, c'est un Américain. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais... Lui, il fait des giveaways, il balance des sommes astronomiques, hein. Et il est connu pour ça. Et comme il se fait encore plus de thunes grâce à ça, bah, il offre encore plus de thunes. C'est un cercle vicieux. Salut, Dahlia! Comment vas-tu, Dahlia? Vas-y, rentre, Dahlia. Mais, oh putain, hey, Dahlia, t'as grossi du duc, hein. T'as grossi du duc. Un enfant. Avec personne. Elfin. Oh. Je pensais qu'on les avait mariés. C'est déjà raté pour moi, je vais pas mourir jeune. Ah, oh oui, mais franchement, hein, t'aurais pu réfléchir. Je plaisante évidemment, oh là là, je préfère le préciser parce qu'il y en a des fois, ils sont assez terre à terre, hein, on va devoir, hein. Bon, connaissent pas le mot humour noir, parce que je suis pas raciste. Hein, ça, voilà. Je m'accroche, bah oui, Anne, allez, laisse-toi aller. Non, je rigole, hein, évidemment. Mon Dieu, quelle horreur. C'est horrible de dire ça. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il fait, le chaton, là? T'as pas envie de bouffer? Bon, maintenant, on est riche, en vrai, on peut réparer la télé, hein. On s'en fout. On a de la thune. Ce 1200, ça faisait cher, hein, mais là, maintenant... Une pichenette! C'est que 10, 20, 10, 100, 1000 1 pour 1000 de notre... Hein? Bon. Voilà. Je sais pas compter. Hein. Et il meurt. 18h. Ouais. Eh, il est déjà minuit. Hein. Effectivement, il est resté tard. Hein. Bon, d'ici la semaine pro, j'essaierai de faire le shooting pour Toya. Pour son portrait avec ses ancêtres qui sont tous là. Allez, il y a une place qui l'attend ici. Hein. Voilà, voilà. Avec tous ces beaux mecs. Ah, oh, regardez comme il était beau, Chamallow. Ah, Cop, il était pas mal non plus. Bon, Pulcot aussi, malgré ses yeux marrons de cochon. Mais Bordeaux. Ah, il en a culbuté, hein, Bordeaux. Ah, lui, vous voyez, il s'en foutait, hein. Il prenait tout ce qui passait. Hein. Tout ce qui avait un trou, il y allait. Hein. De toute façon, j'ai pas de hamster, hein. Je sais que tu rigoles. Je suis pas raciste, j'ai un humour noir. Bah oui, c'est ce que je dis, moi. Si moi, de toute façon, mon humour, c'est un humour noir, mais je suis pas raciste, c'est la preuve. J'ai jamais testé en plus la mort par morsure de rongeur dans les Sims, il faut que j'essaie. Mais en fait, quand je veux le faire, ça ne marche pas, c'est ça qui est dingue. On avait essayé une fois, je crois. Faudrait qu'on le fasse pour le Legacy. Il va falloir qu'on s'achète un hamster. Et puis, bah, en vrai, il faut attendre que la cage soit sale. Et t'as peut-être une chance qu'il bouffe. Mais non, tu vas manger. Non, dessin. Tu vas venir manger, toi. Alors, qu'est-ce que tu vas venir manger? Tiens, viens manger des yaourts. Du bon yaourt pour Goadier. Pour Chinonoche.
Hein? Pour avoir des gros nonoches. Ah, attends, Merguez va pas bien. Toto. Ah oui, il a besoin d'attention. Attends, tu vas lui parler avant. Tu vas lui parler. Tu vas lui donner une friandise, après tu vas jouer. Oui, Merguez, on arrive. Tiens bon, ne meurs pas tout de suite. Et après, je le mets au lit et on finira sur ce là-dessus. On aura fait 1h40. On est loin des 2h. Ce sera plus digeste pour la rediff. J'ai entendu un truc grincer, ça faisait peur. Il va se faire bouffer ou pas? Oh, regarde, il lui fait des câlins, il lui caresse. Oh, Merguez, je préférais Roger, mais bon. Toi, t'es là, donc... Ah, si. Ça me fait triper, ça. À chaque fois, ça me fait mourir de rire de voir le hamster qui bouffe le pif, quoi. Ça me fait trop marrer. Ah oui, là, c'est encore mieux. Parce que l'hamster, il est genre... Ah ! Oh, c'est trop bien, il est bon ce nez. J'aurais dû le craquer plus tôt. C'est difficile de faire des fois des screens. Hein, ce qu'il fait avec ce hamster est incroyable. Le hamster qui est heureux de tuer les gens, tu sais, il a déjà essayé de tuer Marina, ça a pas marché, elle était trop vieille. Là, il va tuer Manon. Est-ce qu'il va vraiment vouloir tuer Toya, hein? Est-ce qu'il va essayer vraiment de tuer Toya? On ne sait pas. Vous savez pourquoi il fait ça? Certes, il y a Roger qui a donné ses instructions, mais parce qu'il a pas de papier peint dans sa pièce et il est jaloux. C'est bon, morsure miniature. Ce sera la suite au prochain épisode. La 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 la, il veut récupérer la thune. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Merguez, il a des projets là. Il se dit, avec 1 million de simflouz, je peux en emballer moi des hamsterettes. Hein. Oh t'inquiète, hein, je les prends, je les retourne. Hein. Eh, c'est pas que dans la roue qu'elles vont tourner avec les pétasses. Hein. Oh là là. Ah ouais. Elle va pisser, toi. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai cru qu'elle allait mourir, mais non. Elle va juste pisser. Elle meurt. Est-ce que dans 15 heures, elle meurt ou dans 15 heures, elle est encore dans un autre état? Eh ben ça, ce sera dans l'épisode de la semaine prochaine. N'hésitez pas à follow, à vous abonner. Et surtout, bah... à suivre les aventures d'une autre Sauberie. Voilà, voilà. Tu vas te coucher, toi. Je pensais qu'on avait fini, mais il est encore... Il y a Dahlia qui squatte. Non, mais Dahlia, tu rentres chez toi. Allez, vas-y. Pendant que notre fils va se coucher. Je dis, Merguez, il a des plans. Explosion nucléaire, maladie... Je pense qu'il veut nous faire une covidette. Hein. Il veut nous faire la covid, la hamsteride. Voilà, je vais y arriver. Voilà, c'est bon pour moi. Et c'est ici qu'on va se quitter YouTube pour cette rediff. J'espère que cette rediff est quand même un petit peu exceptionnelle. Il s'est passé des choses quand même. Là, pour le coup, si on a raté celui-là, on va plus rien comprendre à ce qui se passe derrière. En vrai, il y a deux trucs qui sont ouf. C'est la future mort de Manon et le loto. Donc voilà. Pour le coup, moi je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette rediff. N'hésitez pas à mettre des commentaires, liker, partager comme d'habitude. Et à passer sur Twitch également si vous pouvez, si on avait l'occasion. Des gros bisous à vous. Très bon samedi, dimanche ou tout ce que vous voulez. À très bientôt. Ciao, ciao.